on va devoir sauter dans des formes. En vrai, c'est très simple. On a un bac à mousse, on va sauter de plusieurs niveaux différents avec des figures différentes. Ça veut dire qu'on va devoir dessiner des formes et faire des figures pour tomber dedans. Exactement. En fait, j'ai des grandes planches, vous allez voir. On va dessiner des formes. On va essayer de voir par exemple des trucs un peu comme ça, tu vois, le totem de Koh-Lanta. Oh, c'est chaud. On va commencer par des formes simples, genre par exemple un rond. Et en gros, c'est très simple. Si on rentre pas dedans, c'est à dire qu'un bras ou une jambe ou la tête, un truc touche, ça en gros, explose. Le rebord, ça casse tout de suite. Et je pense que en fin de vidéo, il y aura un gage pour celui qui aura cassé le plus de planches. Bah donnez-moi le gage dessus. Mec, je pense qu'avec ma taille, je pense que bah ça va être plus dur, c'est plus clair. Compliqué. Bon, vous êtes prêts ou quoi? Moi j'ai trop chaud, j'ai trop. On y va, c'est parti. On va essayer de trouver des formes sympas pour ensuite sauter dedans. On commence par le rond. Let's go. Let's go. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi je vais le faire en trottinette. Je vais devoir prendre la bonne longueur. Faut pas que je casse. J'ai pas envie d'avoir le gage. Le gage en fin de vidéo, vous allez voir, il est hardcore. Ils sont pas prêts. Celui qui fait le plus beau rond, bah c'est lui qui fait le rond. Vas-y, allez, je commence. On doit le faire en petit. Ce rond à Mélanie, il est vachement lisse par rapport au mien. Mais moi j'ai l'impression qu'il est plus rond. Le tien, il est plus ovale. Moi c'est sûr, les gars, je vais avoir le rond le plus pété. On prend qui pour faire le rond alors? Vas-y, on prend le tien. Parce qu'évidemment les amis, ça c'est la première planche, mais il va y avoir plusieurs niveaux. Si tout le monde passe là-dedans, on va complexifier le truc. Par contre, c'est pas vraiment un rond ça. Ouais, ça passe. Bah on a dit qu'on voulait de la complexité donc. Voilà, ce sera complexe. Allez, on découpe ça et c'est parti pour le premier niveau. C'est toi. Oh. Ah bah déjà là, ça fait une forme. C'est bon. C'est parti pour le premier trou. La première forme, elle est là. Niveau 1, le plus facile. On a commencé par tout simplement par un rond. Qui veut commencer, Charles? On fait un Shifumi. Ok. Shifumi. Ah bah tu commences. Ouais, vas-y, je commence. C'est sûr, je le touche pas pour la 3, 2, 1. C'est bon, c'est Charles. Quand tu vois Charles faire, tu dis c'est facile. Belle, vas-y, tu y vas, tu vas, je vais. Bah toi, parce que du coup, si je le casse... Ok. Est-ce que je vais casser ou pas sur ce niveau 1? C'est parti. 3, 2, 1, allez, go. Moi je sens qu'il y a un truc qui sent bon, ça sent le gage. Niveau 1, raté pour Antoine, réussi pour Charles et Mel. Mel, on sait pas. Comment tu le sens? Je vais le péter, c'est ça. Je vais m'entraver dedans moi. 3, 2, 1, c'est bon. J'ai fait. Est-ce qu'on ne dirait pas que ce rond c'est validé? Moi je vais essayer de faire les pieds en premier comme ça. Tu veux essayer? Vas-y, allez. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il est trop chaud. Mais bébé, ta tête elle a failli toucher ça. Ah mais j'ai regardé la caméra en même temps, c'était trop bien. Oh mec. Coucou. Oh là là, j'ai envie d'essayer, je vais le faire. Ok Mel, à ton avis c'est quoi qui va taper? Moi je pense que c'est la tête d'Antoine qui va taper. 3, 2, 1. Allez, go! Oh! C'est réussi! 3, 2, 1, go! Oh! Elle a fait clairement une bouteille! La team, j'en profite, il y a plein de nouveaux produits sur le site, il y a des tapisques de street, pas mal de choses, c'est disponible dès maintenant. D'ailleurs, j'ai une grosse actu. On se retrouve cette année au Fizz de Montpellier, du 24 au 29 mai, ça va être incroyable. Peut-être qu'il y aura des produits S2S, j'en dis pas plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Les surprises, à retrouver là-bas. Ok Charles, je veux une rotation, soit backflip, soit frontflip et t'atterris dans le rond. Oh les gars, il y a moyen que ça pète. Alors je vais vous dire tout de suite là, le risque, c'est que les bras à l'atterrissage, ils explosent tout. Regardez dans le coin, il va devoir sauter, le rond, il est juste là, dans la fosse. 3, 2, 1, c'est parti. Oh non, il était un peu trop loin, il a atterri directement sur celle du fond. Je suis dégoûté, j'ai envie de pleurer. Si tu réussis le challenge qui arrive, c'est un point bonus pour toi. Je vais partir de tout là-bas, je prends la rampe, je fais un énorme saut et j'atterris là-dedans. Objectif, je vais vous choquer. Tu vas le mettre, tu vas le mettre. C'est la roue arrière, mec. C'était tellement short. Deuxième essai, juste pour le kiff. Il a retouché au même endroit. Nouvelle forme. C'est parti, on part sur ça. En fait, on va faire pas un rond, mais un ovale pour passer entre guillemets comme ça. Ah, le bruit. Ah, j'aime pas le bruit. Si
je relâche le ventre comme ça, je passe pas. Parfait. Oula, ça va être short, mais normalement c'est possible. Prochaine étape, du coup, c'est celui-là. L'objectif, c'est de sauter en bouteille comme ça dedans. Ok, 3, 2, 1, let's go. Ah, oh, j'ai le seum. Bon, moi c'était c'était un peu bancal, hein, c'est... Y a un point en moins, y a un point qui se... Ouais, là j'avoue, j'ai un point en moins. Ok, du coup, qui se sent, c'est à qui là d'y aller? Kamel. J'ai la pression de ouf. Si moi je suis passé, j'ai touché un petit peu, bon j'ai quand même cassé. Là, toi tu devrais... Non mais déjà passer, regarde, mais tes mains, mes pieds et les tiens. Est-ce que tu le sens? Non. Elle l'a touché mais elle l'a pas pété. Au tour de Charles. Ok, let's go. Dedans. 3, 2, 1, let's go. Il l'a détruit. J'étais pas du tout. Charles, pour sa discipline, est censé genre être sur la pointe de la pointe de la perfection, de en la fait. Précision. De la précision, exactement. Bon bah Charles, pour l'instant, c'est la défaite. Hein. Du coup, en vrai, les points, ça fait quoi? Moi, je suis à moins 2, toi, t'es à moins 1, et toi, t'as 2,05 aussi, je crois. Attends, t'es à moins 0,5. Là, pour l'instant, je suis dernier, t'es deuxième, elle est première. Bon, là, on va commencer avec la première, entre guillemets, vraie forme. Vous allez voir, après, les formes, elles vont être vraiment trop stylées. On va, je pense, faire des formes un peu comme ça, tout ça et tout. Là, la forme, ça va être entre les deux. C'est parti, on passe à la troisième manche, troisième niveau, c'est parti. On augmente un petit peu déjà, c'est parti. Round 3. Vas-y, sors Mel. La forme de Mel, si elle avait 30 kilos de plus. Ok, tu sais, je me vois comme ça, je me dis, je suis vraiment petite. Bon bah du coup, troisième épreuve, troisième niveau, regardez, il est juste là et en vrai, je vous jure, il rend bien. La forme, il y en aura des plus stylées tout à l'heure, là, je vous ai dit, c'est que le niveau 3. Bon, alors par contre, hey, les règles, là, c'est, sinon c'est trop simple, t'as juste à sauter en bouteille. Pas le droit de sauter en bouteille, pas le droit de sauter comme ça, il faut vraiment sauter comme ça. Bon là, j'ai les jambes serrées quoi. Tu vois, en vrai, je crois que la position, c'est à peu près ça. Ouais, mais serre les jambes serrées, je crois. Ça... Mais tu commences. En fait, vous vous rendez vraiment pas compte, mais le stress, c'est pas genre de sauter dans le bac à mousse. C'est de casser. C'est de casser, oui, le truc, parce que j'ai pas envie d'avoir de gage. 3, 2, 1, go, go. Oui, oui, c'est réussi. Ah, j'ai réussi, je l'ai pas pété. Elle s'y attendait pas. Ok, Charles, 3, 2, 1, quand tu veux. Ça va Charles? J'ai retenu que j'avais dit à Mel, surtout tu te plantes pas la tête dans le sol. Il a fait une tête la première direct. Tu le sens comment? Ah j'ai chaud! Allez pour vous les abonnés. 3, 2, 1, go! Oh, oh, t'as rien cassé? Oh, vous êtes obligé de mettre un pouce bleu là. Il y avait 2% de chance, enfin je sais pas, c'est une statistique comme ça que j'ai lancé. Il y avait 2% de chance qu'ils réussissent. Oh là 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 là. Eh, je suis trop content. En vrai c'est passé. On l'a pas pété, là on doit passer au niveau d'après, mais on passe pas. J'ai un défi pour ta chambre. Ouais, forcément, faut que je me tape un point de malus. Regarde, t'arrives là, tu sautes, tac. Tu sautes comme Spider-Man. Et là tu sautes dans la forme. Là pour le coup il y a vraiment les 2% de chance que j'y arrive. Attends, j'ai envie d'essayer, regarde. En gros c'est ça. Waouh. Allez, oui. Vas-y. Oh, oh non. Tu l'as détruit. Round 4. Franchement Mel, si tu passes pas sur cette épreuve, elle a 40 cm de marge là-bas. Oh, ça fait un personnage. Wesh mon rêve. Ça va encore mon pote? Il a tout détruit. Là franchement, vraiment sans mentir, je pense que ça va être dur. Le problème c'est que Mel, elle passe au milieu, elle passe dans le corps. On fait un chiffomi, celui qui perd il le fait. Et à mon avis, celui qui va y aller, c'est lui qui va casser. Ah là, délo. Charles, c'est lui qui a tout cassé pour l'instant. Bébé, est-ce que tu veux que je le fasse? Parce que moi j'ai des points d'avance. Oui, je veux que tu le fasses. J'ai cru qu'il allait me dire non bébé, t'inquiète et tout. Ils sont presque à ça de faire une demande en fiançailles. Mais je crois qu'elle est prête. 3, 2, 1. Oh non. Tu sais que je crois que c'est même pas elle qui l'a touché, je crois que c'est les rebonds. Ils sont en train. Ils sont en train de s'embrouiller. J'aurais jamais dû. Jamais. Non, mais non. Est-ce qu'il y a un bon aussi? Prochaine forme, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu genre. Ah, ça comme les pharaons. Vas-y, tu te mets ou je me mets du coup? Vas-y, je me mets. Eh, hey, mais celui-là, ça va être le plus dur. Là, on va péter du polystyrène, les gars. Là, ça va y avoir de la casse là. Là, on est beaucoup plus haut que tout à l'heure. Je présente Bob. Avec Bob, on aime bien faire des accolades. Vous me voyez pas trop, mais c'est parti. Dernier niveau, niveau 5, c'est parti. Final round.
Le dernier saut de cette vidéo, c'est tout de suite. Là, vraiment, là, on a une vraie forme. Et celui qui le passe, c'est masterclass. Un de nous deux va devoir aller dans cette forme juste ici. Gros, si, franchement, s'il y en a un de nous deux qui réussit, là, franchement, c'est respect éternel. Franchement, c'est respect éternel. Shifumi. De toute façon, t'avais envie de le faire. En vrai, je me disais que j'avais envie de le faire. Faut que je me mette comme ça, un peu regroupé et jambes comme ça. Jamais rien lâcher, toujours persévérer, vous connaissez. Hey, c'est bon. Ok, est-ce que vous croyez en moi? Oui. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, allez, go. Allez. T'es pas si loin que ça. J'ai reçu ou pas? Bah bof. Alors vous allez voir là, on va vous mettre le ralenti. Ça s'est joué à 1 mm. Pas du tout. Attends, c'est quoi les points? 2, 2, 1 et demi. Je crois que c'est la première fois que Mel gagne une vidéo. On peut la féliciter. On peut la féliciter. Venons aux choses sérieuses. Quel est le gage de cette vidéo? Les amis, nous avions fait une vidéo il y a quelques temps où je testais la patience de Charles et Charles ne devait pas répondre. Il ne devait rien faire et rester immobile et silencieux le plus possible. Antoine, ici présent, et Charles, ici présent, vont devoir subir la même chose en live et vous allez devoir tenir le plus longtemps. Je l'ai vécu une fois, gros, c'est chaud. Attends, on va devoir faire un live entier sans rien faire. Et juste toi, tu donnes en gros nous faire souffrir en gros. Mais c'est, oui. Ok, live de combien de temps? On dit quoi, une 3 heures? 3 heures gros. La date et l'heure s'affichent sur l'écran. Ce sera sur la chaîne qui s'affiche sur l'écran. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci à Charles et Mélanie. Merci pour toi. Non. Tu peux t'abonner à leur chaîne YouTube juste ici. Juste là, t'as ma chaîne YouTube. Juste ici, t'as deux autres vidéos. La dernière, une autre. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h11, pour la nouvelle vidéo. Et rendez-vous pour le live dans quelques jours. Ciao. Pas du tout. Ah.